Il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi, franchement, au niveau de l'histoire. Attendez, je vous fais le synopsis. C'est l'histoire d'un mec qui emménage et il y a un trou dans le mur. Et quand il regarde dans le trou... Salut la team, j'espère que tu vas bien. Je suis désolé de vous avoir laissé sur un truc comme ça, sur une histoire de trou. On va régler le problème maintenant, parce qu'on va passer sur le bilan lecture, donc c'est parti. On commence mon bilan lecture du mois de décembre avec le tome 7 de Cannibal. Je vous refais le petit topo. Cannibal, c'est un flic qui va se retrouver dans un petit village, il va y avoir beaucoup de soucis, des suspicions de cannibalisme par rapport à un clan. Finalement, il va mener son enquête et il va découvrir qu'il y a un clan qui est très bizarre et puis il y a les villageois en eux-mêmes hors du clan qui sont très chelous aussi. Le policier Dego va avoir pas mal de petits secrets par rapport à son passé, par rapport à sa vie de famille et sa petite fille, et c'est incroyable. Là, vous êtes sur un seinen type un peu psychologique qui va... Enfin, d'un côté, on va se dire « Ah, mais lui, il est méchant, ah, puis lui, il est gentil, puis finalement, ah non, c'est lui le gentil, ah non, puis c'est lui le méchant. » On est perdu et c'est trop bien. N'hésitez pas à lire Cannibal, je vais pas vous faire le topo du tome 7, je veux pas du tout spoiler sur ma chaîne, je rentrerai pas dans les détails, mais vraiment, c'est trop trop bien, on a un ressenti qui est assez sombre avec les coups de crayon au niveau des planches. Vous voyez, tac, je vous remontre. Juste ici, je vous montre juste une petite planche. C'est très sombre, mais c'est vraiment, vraiment stylé. N'hésitez pas à Cannibal, c'est vraiment une dinguerie. C'est chez Meian Edition, le tome 7 de Cannibal. On continue avec ma lecture du mois de décembre. Aime ton prochain, le tome 5, et aime ton prochain, le tome 6. C'est fini. L'intégrale se fait en 6 tomes. C'était incroyable. Je reviendrai dessus sur un avis manga ou peut-être une kaki analyse. Je vais en faire quelque chose parce que vraiment... Ça m'a mis une grosse claque. On a vraiment un côté où on a des dessins très mignons, avec une vraie cassure où on passe un peu en mode hardcore. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui va rencontrer une fille, pour faire très très simple. Et la fille va tomber amoureuse de lui, sauf que c'est une psychopathe. Dès les premières pages, on va se rendre compte. Et il y a un degré de psychopathe. En fait, si tu vois, il y a un degré. Si tu prends une échelle de 1 à 10, elle est à 12. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, vraiment. C'est pas à mettre dans toutes les mains, parce que c'est quand même... Il y a un petit côté vraiment hardcore. Donc, si ça te fait pas peur, si t'aimes les seinen un peu psychopathes comme ça, n'hésite pas. Est-ce que je peux vous montrer une petite planche? Vous voyez, au niveau des dessins, en fait, il y a limite un petit côté chibi, mais faut pas se fier aux apparences. Aime ton prochain. Une très très bonne lecture. J'ai trop hâte de rentrer dans le vif du sujet, vraiment de vous en parler et de rentrer peut-être un peu plus dans les détails au niveau du synopsis du moins. Après, comme je vous ai dit, je ne veux pas du tout spoiler dans mes bilans lecture, donc je vais en arrêter là avec Aime ton prochain, mais vraiment, lancez-vous dessus. Si vous n'avez pas peur, lancez-vous dessus, c'était vraiment trop trop bien. Et c'est de chez Akata dans la section What the Fuck. Et je pense qu'ils l'ont bien classé en fait, tout simplement. Chassisty Rivers de chez Meian Edition. J'ai trouvé la lecture plutôt moyen. On est sur le tome 1. C'est une fille qui va se retrouver à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi. Et quand elle va se réveiller, le monde aura changé. Alors quand je dis que le monde aura changé, en fait les femmes sont devenues un peu des hommes et les hommes des femmes. C'est-à-dire que dans leur manière de penser, niveau sexualité, les femmes sont devenues des pervers et les hommes sont devenus un peu plus doux. Alors c'est drôle, en vrai, c'est loin d'être mauvais, mais ça n'avance pas, et ça c'est moi, c'est toujours mon petit problème, c'est que dès que j'ai un fil rouge, mais qu'on part sur des sketchs à droite à gauche, et que l'histoire prend vraiment son temps, dès le tome 1 surtout, j'ai du mal. Donc je pense que je continuerai, parce que c'était pas désagréable. Après, est-ce que je me suis tapé des grosses barres? Non plus, en vrai. Soyons honnêtes, les dessins sont plutôt moyens, je trouve. En fait, c'est même pas qu'ils sont moyens, c'est qu'on est sur des planches qui sont ultra simples. Je vous montre. Vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel, même si c'est bien, hein, mais c'est simple. Et c'est vraiment la définition de ce tome, je trouve, c'est simple. C'est une idée simple, le rendu est simple.
et c'est pour ça que je trouve que ça match moyennement. C'est sympa, mais je vais pas me ruer sur le tome 2, je vais prendre mon temps. Je prendrai le tome 2 un peu plus tard. Mais si vous aimez les mondes à l'envers, si vous aimez ce genre de manga, n'hésitez pas, ça reste pour un public averti, hein. Voilà, ça va parler essentiellement de cul, hein. Vous allez rien voir, hein, les gars, c'est que des pensées ou des façons de faire. C'est voilà, si moi en tant que mec, le manga me fait comprendre que si y a une nana qui passe, je suis obligé de mater son cul, bah la fille elle va mater le cul du mec, voilà, c'est rien d'exceptionnel comparé à ce qui va arriver plus tard dans la vidéo. Ouais, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Berserk, enfin, en 2021, il était temps de commencer Berserk. Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait une vidéo découverte sur ma lecture du tome 1 et 2. Je vous le remets juste là, si je me suis pas trompé, ça se trouve ça va être là. Attendez, choisissez. Spoiler, c'était trop bien. En fait, il y a un côté vintage dans les dessins qui marche super bien. Il y a un côté sombre, cut, c'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est... Avec le recul, justement, en plus de ma vidéo, je peux affirmer que j'ai vraiment kiffé et j'ai hâte de lire la suite. Pour le moment, j'ai pas continué. Il faut que je continue. Il faut pas que je me perde trop longtemps en plus et que je commence à lire à droite à gauche parce qu'après, je vais perdre le fil. Je trouve qu'il se lit super vite, super bien. Même s'il y a plein de choses à voir dans les planches, c'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Il y a du détail malgré... Le côté vintage des premiers tomes, je suppose, il y a du détail de fou, c'était vraiment, vraiment trop cool. Donc je continuerai ma lecture. Berserk, tome 1 et 2, de chez Glénat Édition. J'ai lu le tome 1 de Love X Dilemma. Je suis mitigé là-dessus, je vous avais fait un peu le topo dans la vidéo précédente sur mes achats manga. J'ai vu la saison 1 sur Wakanim, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais déjà hésité la première vidéo, j'ai toujours pas vérifié si c'était sur Wakanim, je suis désolé, si jamais c'est bien sur Wakanim, précisez-le moi en commentaire s'il vous plaît, parce que sinon j'y arriverai jamais. Love X Dilemma, en fait le problème, je trouve pour ma part, c'est qu'il y a trop de choses gratuites. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de synopsis, on a un gars qui est amoureux de sa prof. Alors, en termes de différence d'âge, il n'y a pas grand-chose parce qu'elle est assez jeune. Je veux dire, c'est pas un gars de 18 ans qui tombe amoureux d'une nana de 65 ans. De toute façon, c'est elle. Ça paraît honnête. Enfin, il va être amoureux de cette prof-là, sauf qu'il va faire une soirée avec des potes et il va rencontrer une meuf et ils vont coucher ensemble. La nana lui fait bien comprendre que ça s'arrêtera là, juste pour tester, qu'elle voulait savoir ce que ça faisait. Point barre. Jusque-là... Pourquoi pas? Sauf que le père de notre protagoniste va se remarier avec une nouvelle femme, tout simplement. Et devinez quoi? Bah oui. Cette nouvelle femme, elle a deux filles. La nana avec qui il a couché, comme ça. Et la prof. Et en fait, il va être là, mon souci. On arrive sur des scènes un peu ecchi, gratos, parce qu'ils vont vivre ensemble. Même si... Attention, je ne juge que le tome 1, malgré que j'ai vu la saison, même si je trouvais que plus on avançait dans l'histoire et plus les personnages devenaient intéressants. Et il y avait vraiment une histoire de fond. C'est pour ça que je ne vais pas lâcher pour le moment, de toute façon, dans l'achat manga du mois de décembre, vous avez vu que j'ai pris le tome 2 aussi. J'ai envie, en fait, de dépasser cette saison 1. La fin, je ne me rappelle même plus de la fin de la saison 1, mais j'étais en mode, ok, c'était... pas incroyable, mais c'était pas mauvais non plus, et j'entends des bonnes choses sur Love X Dilemma, donc j'ai envie de découvrir ça par moi-même. J'irai un petit peu plus loin, si je vois que ça m'agace, je vous le dirai. Si je vois que ça n'avance pas, que finalement c'est du gratos pour du gratos, ça sera pas intéressant pour moi, donc de toute façon je vous en reparlerai. Je stoppe vite fait les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait ultra plaisir, on est plus de 300 sur la chaîne. C'est trop bien. La Gaki Analyse, je le répéterai à chaque vidéo, la Gaki Analyse va arriver. C'est le type de vidéo que j'attends et que je veux faire absolument sur la chaîne. Ça va arriver. J'ai dit début d'année, on est mi-janvier, c'est honnête. Pour le moment, je suis dans les clous. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent. Vous êtes les meilleurs, vraiment. Vous êtes incroyables. On s'approche de la fin. Le tome 4 et le tome 5 de The Killer Inside. The Killer Inside, je vais pas trop rentrer dans les détails, j'ai l'impression que je dis ça à chaque manga. Je vais pas trop rentrer dans les détails puisque il se peut que ce soit plus ou moins le sujet de ma vidéo au niveau de la Gaki Analyse. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Eiji et il va se rendre compte qu'il a une double personnalité.
son double a fait des choses, a fait des choix, a créé des situations où Eiji, en personnalité numéro 1, il va se retrouver à affronter tout ça. Il va y avoir une histoire de meurtre, il va avoir une nouvelle copine, il va avoir calmé la grosse brutasse du bahut. Il va se passer plein de choses et c'est rien ça. Ça c'est rien. C'est le premier tome, à la limite le deuxième tome, mais ça va aller beaucoup plus loin. C'est vraiment un manga qui va te gratter le cerveau, tu vas être perdu, tu sais pas qui, où est le bien, où est le mal. C'est trop bien psychologiquement. Autant Gannibal est incroyable, je mettrai The Killer Inside un poil au-dessus parce que c'est trop bien, l'écriture est vraiment trop ouf. J'ai hâte de continuer. J'ai le tome 6 qui m'attend, il va y avoir le tome 8 là qui va sortir. Et au Japon, l'œuvre s'est terminée en 11 tomes, si je dis pas de bêtises. Finalement, en ayant lu 5 tomes, je suis quasi à la moitié. Et j'ai trop hâte, et ça se trouve je vais être méga déçu quand ça va se terminer parce que j'ai trop envie de continuer à lire ça. Mais j'ai aussi envie de voir la fin. Enfin bref, type seinen, psychologique, comme Gannibal, tapez dedans. De toute façon, si vous kiffez ça, Gannibal, The Killer Inside, c'est vraiment trop bien. De chez Kiun Edition, The Killer Inside. Et on termine cette vidéo avec là où j'avais terminé la vidéo précédente finalement, Nozokiana. Alors, je vous refais le topo. Effectivement, c'est ce que je vous ai dit. C'est l'histoire d'un gars qui va avoir un nouvel appartement. Dans ce nouvel appartement, il va y avoir un trou. Et quand il va regarder dans le trou, est-ce que je peux vraiment vous montrer ce qui va se passer quand il va regarder dans le trou? Je suis pas sûr. J'ai vérifié, je peux pas du tout vous montrer ce qu'il voit quand il regarde dans le trou. En fait, sa voisine et lui vont faire comme un jeu. C'est-à-dire que lui pourra regarder dans le trou le lundi, le mercredi, le samedi, et elle le mardi, le jeudi et le vendredi. Je sais plus, je me suis perdu sur les jours, mais vous m'avez compris. Et il va y avoir un petit jeu sexuel, entre guillemets, qui va avoir lieu. Et c'est là où je disais que ça commence à ressembler à du hentai. On va voir quand même des scènes plus explicites que certains bouquins que j'ai pu lire, où à chaque fois je vous dis, voilà, il y a des scènes de sexe, où ça parle de sexe, mais vous inquiétez pas, vous ne voyez rien. Bon, là, on voit pas, je vais être cru, on voit pas la pénétration, mais sinon, on voit plus ou moins tout ce qui se passe. Et en fait, il est là le problème. C'est un peu comme Love X Dilemma à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Il va revenir avec sa meuf dans son appartement et forcément la première question qui se pose c'est « Waouh, on est quel jour ? Elle peut regarder dans le trou, c'est trop chaud, waouh !» En fait, toutes les situations sont faites pour qu'il y ait plus ou moins du cul. Et c'est dommage parce qu'en fait, la différence, par contre, avec Love X Dilemma, c'est que les personnages ont vraiment une histoire de fond. La relation qu'il va y avoir entre notre protagoniste et la voisine va être intéressante, en fait. Et c'est là où c'est frustrant, pour moi en tout cas, c'est que il y a de très bonnes idées, même s'il y a du côté gratuit, alors c'est vraiment du fanservice, mais à 200%, quoi. Et c'est dommage parce que, vraiment, il y a une histoire de fond, et c'est ça qui va me faire tenir pour le moment, pour acheter la suite. C'est qu'il y a un côté vraiment romance. On n'est pas sur, justement, on n'est pas sur du hentai gratos, il y a une scène, tag, du cul, basta, fini, comme un porno, hein, finalement. Mais en fait, non. On a vraiment une histoire, on a plusieurs personnages qui ont leur propre histoire à eux, et on a vraiment cette relation entre notre protagoniste et sa voisine, qui au début paraît malsaine, parce que c'est vraiment une histoire de trou et de se mater mutuellement, ce qui est très étrange. Mais il y a vraiment un truc qui va plus loin. Mais on a toujours ces scènes qui cassent un peu le rythme de l'histoire, et c'est là où je suis un peu plus mitigé. C'est vraiment pas à mettre dans toutes les mains, franchement. En plus, pour le moment, est-ce que je recommanderais ce manga? Je suis vraiment, comme je vous ai dit, mitigé. Donc pour le moment, vous voulez pas attendre que je vous en reparle, histoire de vous confirmer que vous pouvez ou pas, si ça va être cool pour vous ou pas. Après, voilà, si vous aimez les histoires où il y a un peu de sexe, bah... Si, bah allez-y, hein. C'est ce qu'il faut, hein. Vous vous rappelez derrière, marqué déshabillez-moi, hein. Donc forcément, déshabillez-la. Et voilà, les gars, le bilan lecture du mois de décembre est terminé. Est-ce qu'un jour, en janvier 2022, on va parler autre chose que de 2021? Bah, c'est pas prévu encore. Pas dans la prochaine vidéo, en tout cas. Je suis désolé, on va continuer à parler de 2021. De toute façon, on n'a pas un mois pour se dire bonne année et tout ça, là, pendant tout le mois de janvier, on est... C'est nos limites, en fait. Eh ben, nos limites, alors. À dimanche prochain, les gars.